Baudelaire dit dans la préface des Fleurs du Mal, il fallait que je cite bien, monotonie, virgule, symétrie, virgule, surprise. Et c'est ça tout mon programme. Une seule ligne, j'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup la dimension de gauche à droite, le sens de la lecture. C'est une étude après coup où j'ai essayé de ne pas traiter de la même façon les horizontales et les verticales. Les verticales sont plus épais, horizontales plus fins. Évidemment, j'ai essayé le contraire aussi. Quand c'était fait, de nouveau un regret en disant « Mais pourquoi cette distribution strict soldatesque, on pourrait se baser par exemple sur le hasard ?» Alors l'ordinateur, je crois, a été inventé pour moi. Enfin, je ne vois vraiment pas pourquoi d'autres. On fait de la peinture non figurative avec des éléments géométriques. Et puis, il y a un moment où on a l'impression que quelque chose se passe. Ou un assemblage, ou une surprise, comme le dit Baudelaire. Alors, pour détecter ce moment extraordinaire, quand l'art, nommons-le comme ça, apparaît, on n'a pas assez de temps et de force de le faire à la main, parce que ça voudrait dire faire des millions ou des milliards de variantes. Et là, vous avez un esclave qui suit vos désirs. Ça permet de matérialiser très vite les pensées visuelles que vous avez, que vous n'auriez pas pu faire pour manque de temps, manque de force, manque d'acuité visuelle. J'ai un souvenir à propos de cette exposition. J'avais 30 ans, j'étais jeune et pauvre, ça va souvent ensemble. Et je venais de temps en temps aux Galeries Lafayette, pas pour acheter des choses, je n'avais pas d'argent pour ça, mais pour admirer, pour regarder. Je suis venu un jour, je suis tombé raide amoureuse d'une robe qui était faite, une toile genre transat, avec des rayures orange, jaune, marron, blanc. Une robe toute droite. Elle m'a plu, cette robe. Je l'ai essayée. Elle m'allait très bien. J'avais la pensée que je pourrais mettre dessus mon vêtement et partir avec. À l'époque, il n'y avait pas les macarons qui se mettaient à couiner. Je me suis dit, on peut voler du pain contre un enfant qui a faim, mais on ne vole pas une robe aux Galeries Lafayette quand on n'est pas nu. Parce que... Mais ça me chagrinait quand même beaucoup. Je l'ai achetée avec de l'argent. Il fallait avouer à mon mari parce que ça nous foutait dedans pour un mois de nourriture. Je suis rentré, je me suis dit, il va me mettre dehors, je vais dormir dans le caniveau la nuit prochaine. Je lui ai dit, écoute, regarde, oh, c'est très joli, qu'est-ce que c'est? C'était une robe. Alors je lui raconte, et il m'a dit, mais tu as très bien fait, tu vas voir, c'est le premier pas où on va s'en sortir de la misère. C'était un type formidable.